bagitaye yawe fomola lola babeli bagikaye yawe fomola lola basali bagikaye. Nous voyons, nous devons voir aujourd'hui demeurer en Dieu, c'est ça notre thème. Today we will look at remaining in God. Demeurer en Dieu. Sustaining in God. Prions notre Dieu. Let us pray. Et donne notre Dieu merci. Nous voulons que ta parole puisse avoir sa place dans nos cœurs. Et que celui qui va l'écouter, bien sûr, tu vas l'écouter, oh mon Dieu, mon roi, que cette parole à son cœur puisse changer sa vie et transformer toutes choses. Que la parole qui sortira, oh mon Dieu, mon roi, puisse, oh mon Dieu, mon roi, être scellée dans une bonne terre qui produira les fruits. Nous bénissons ta présence qui débute jusqu'à la fin de ce moment, au nom puissant de Jésus. John 15:1-9. Jean 15, verset
15:1-9. Let us read. Je suis le vrai simple, et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes au pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis au verset 4. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au simple, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Verset 5. Je suis le simple, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les serments, il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 15, verset 1 à 9. Bien-aimés, nous allons lire un peu par un peu vite fait. My beloved, we're just going to quickly read in English. Pour nos enfants et tout le monde qui comprennent l'armée. Verse 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Verse 2. Every branch in me that bears no fruits, he that takes away, and every branch that bears fruits, he purges, that it may bring forth more fruits. Verse 3. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Verse 4. Abide in me, and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself, except it abides within the vine, no more can ye except ye abide in me. Verse 5. I am the vine, ye are the branches. He that abide in me, and I in him, the same bring forth much fruit, for without me he can do nothing. Verse 6. If a man abide in me, and he is cast forth as a branch, and he is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burnt. Verse 7. If ye abide in me, and my word abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Verse 8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be in my disciples. Verse 9. As the Father hath loved me, I loved you, so continue in my love. Amen. 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 Chapitre 15 de Jean, et après ce titre, Yesu Azaliz Ete Yavino Yasol. In this chapter, John has given us the title of God is the tree of the true wine. Amen, amen. Amen. C'est par là que nous avons tiré demeurer en Dieu. And it's from that that we got the title of remain in God. Amen. The sentiment is so que le moins dans cet
It's an example as even here when you have those people who do the littering on the floor. When those litter picker come, they pick it up and then it goes somewhere for them to burn that. Remaining in the word of God, beloved. Si tu demeures à mes mains.
life, Jésus, Jesus, avec notre petit Dieu, with them our small gods, ils ont fini par être enterrés aujourd'hui. Have ended up. Amen. We shall see that they're wrong. Because of mixing, instead of remaining in Christ, they have one step in Christ, and they have a foot outside. And today they are dead. Amen. Because of mixing things. When you're holding on to Christ, follow His words. And you will end up having depression. Amen. A lot of people die today because they are not attached to Christ. They were Christians, but they have removed their belief. They are just alive. When you hold on to the world, it has to be precise. Le travail.
Le job. La santé. Health. Amen, amen. Amen. Tout ce que vous voudrez. Anything that you want. Moi, je sais pas si vous avez besoin. I don't know what you wish mais for. Mais moi, je te dis tout ce que vous voudrez. But I'm telling you whatever you wish for. En demeurant avec Christ. Remaining in Christ. Comme l'arbre de vie. As the branch of life. Lui étant vigneron. Him being the vine. Vous pouvez vous donner. Anything that you wish for, you will get. Amen, amen. Amen. Jésus Christ de Nazareth est un vrai saint. Jesus Christ of Nazareth is a real saint. C'est un papa de solution. He's a father of solution. C'est lui. Amen, amen. Amen. C'est lui qui peut donner des enfants aux femmes stériles, c'est Jésus. He's the one that can give children to sterile women. Amen, amen. Amen. C'est lui qui essuie nos larmes, c'est Jésus Christ. The one that wipes away our tears is Jesus Christ. On appelle l'étoile du matin qui nous éclaire le chemin. They call him the star of the morning that lightens our way. Amen, amen. Amen. Mon problème qui demeure en qui et qui demeure avec qui? My problem is who you remain with. Beaucoup de gens bien aimés. A lot of people, my beloved. Vous le demeurez avec quelqu'un. Instead of remaining in someone. Il demeure en quelqu'un. They remain in someone. Amen, amen. Amen. On demeure qu'en Jésus Christ. We only remain in Jesus Christ. On demeure aussi qu'avec Jésus Christ. We only remain with Jesus Christ. Amen, amen. Amen. La vie, là, disons, le serment qui n'est pas attaché. The sermon that's not attached. Amen. Amen. Attaché, ça veut dire. Attached means. Demeurer. Remain. Celui qui n'est pas attaché. The one that's not remained. Ça veut dire détaché. Which means he has to detach. Quand l'homme se détache de Dieu, when the man detaches himself from God, il va vers qui? Who does he go towards? Il va vers l'ennemi. He goes towards the enemy. Et quand l'ennemi reçoit cet homme qui a été déjà déjà Jésus Christ, and when the enemy receives that man that has already received Christ, amen, amen, amen. C'est que tu te deviens encore plus grand que avant, de plus grand que avant. Your difficulty is becoming more major than it was before. Amen, amen. Amen. Vous savez très bien que quelqu'un qui a été emprisonné. You know who was someone that was imprisoned? Aujourd'hui, si il parvient à s'évader. Today, where they are let free. Ceux qui m'ont suivi. Once they catch you again. Amen, amen. Amen. Il se vous êtes plus grand que les autres. The punishment will be even greater. Parce que tu es seul, alors tu n'as pas 20 ans. They've caught you 5, they will even give you 20. Amen. Who has all of the solution of any problems. Amen, amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible to God. Mais quand tu t'attaches à Dieu, but when you're holding on to God, tu demeures avec lui, you remain with him, toi aussi tes problèmes deviennent possibles. You resolve all your problems. Tout ce qui était possible devient possible. Anything that was impossible becomes possible.
was in the impossibility. La possibilité. The possibility. Détache la possibilité. Removes the impossibility. Tout devient possible avec Christ. And everything remains possible in Christ. Amen. 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 La zone. I'm going to start again. The blessing that doesn't come from God is just the
Bible says, c'est Dieu qui nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. You cannot do anything without me. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Without me, you cannot do anything. Amen, amen. Amen. C'est Jean 15, verset 7. Vous devez lire ça pour voir ce que Dieu nous dit. C'est ce que Dieu dit là. Dieu dit, verse 5. Oui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Without me, you cannot do anything. Amen. Amen. Attach yourself to God today, not tomorrow. Instead of consulting God, se mettre dans les prières, putting yourself in prayer, pose la question à Dieu, asking the question to God, what is the problem I'm going through? Là, c'est la question que tu dois dire. What can I do to get an answer? Amen, amen. Amen. Because he tells us, amen. Amen. Persevere dans les prières. The persevere in prayer. Prier sans cesse. You need to pray without stop. What he says, de prier sans cesse, to pray non-stop, il sait que ta prière sans cesse, il y aura une solution. They know that we're praying non-stop, we'll have a solution. Amen. Amen. Dans les choses de Dieu, in things of God, on peut dire, rien ne sera couru, il faut partir après. We can say that there's no need to run, you should just take your time. Il faut aller doucement, doucement, doucement. You should take your time pour réussir. To win. Mais ne faut pas courir. You shouldn't run. Says that the one who is amen. 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 My beloved, I will give you two testimonies. When we started the work of God in the 70s, in the 80s, I met some brothers. And one was called Bera Rabin. Amen. Amen. On a dit ensemble à rendez-vous. We live together. Ce frère aimait beaucoup Christ. This brother really loved Christ. Il était un évangéliste. He was an evangelist. Il évangélisait partout dans les quartiers. He used to preach everywhere in the Il était aussi parmi le lecteur de la Bible, celle que, qui aimait nous donner la lecture de la Bible. He was also one of those people who really liked to give lecture on the Bible. Il partageait la parole de Dieu dans les quartiers. He used to share the word of God in the area. Amen. Because of wanting to win a lot, Roberto, we lose everything. This brother makes the life of Christ with fetish life. Amen. 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 Amen.
Maboma. If you follow the life properly, ou bien ils étaient des chrétiens, or they were Christian, ou bien des païens, or they were sinners, après avoir beaucoup de succès, from having a lot of success, ils se sont attachés au mazon qu'ils tombent, they held on to fetish nets, pour leur donner, to give them, des bénédictions de naissance, some blessings in their life. Mais on est devenu fou aujourd'hui. Their world is now mentally ill. Amen. La commission à mon émission va beaucoup aller là. Is that when he sees people that he knows? Quand la là, ce qu'il a eu qui était naïe. When I go, when he's around there, he always tries to meet me. Yeah, let me say, first part of the 2005. This happened in 2005. J'avais la campagne de migration chez nous, à Kinshasa. We had a campaign in Kinshasa. Il est venu me chercher. He came to find me. Au moment où j'étais absent. When I was absent. On a dit. They told him. Ton frère, que tu cherches, va arriver dans quelques minutes. The brother that you're looking for would arrive. Christ will have whatever they want. Dans les bénédictions de Dieu, le panier figurera.
Et the blessing of God, the basket. Il a des paniers qui s'étirent. It keeps on moving. Si le panier est tombé aujourd'hui sur ta sœur, if the basket falls today on the sister, sois content, c'est son tour. Be happy, it's her turn. Ce qui l'eau dit, ne payez pas frère, yo. And tomorrow you land on your brother. Sois content. Be happy. Attends ton tour. Wait for your turn. Amen, amen. Amen. Sois calme. Be calm. Attache-toi à la parole. Hold on to the word of God. Et la bénédiction te suivra. And the blessing shall follow. Amen, amen. Amen. Demeurez en Christ. Remain in Christ. Demeurez avec Christ. Remain with Christ. Demeurez en Dieu. Remain in God. Vous serez béni et vous réussirez calmement. You will be blessed and you will win calmly. Amen, amen. Amen. Proverbe 10, verset 22, c'est pareil pour nous citer. Proverbs, chapitre 10, chapter 10. Nous lisons le verset 22. C'est un verset que vous connaissez tous. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. The blessing of the Lord, it makes us rich, and he added no sorrow with it. Amen. Amen. Ya Yahweh, moto, epesa ta bonengo, makasi anzoto, e batisata, eloko mon kote. Amen, amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel de l'aîné qui enrichit l'homme. It's the blessing of God that makes us rich. Et il l'a fait, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. And it doesn't add any sorrow with it. Amen, amen. Amen. Si vous demeurez, you are really my disciples. C'est la parole de Jésus que notre Dieu avait adressé aux Juifs. That's what was the word that our God said to the Jews. Les Juifs qui avaient cru en lui. To the Jews that believed in him. C'est la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Is the word that God. Si nous demeurons toujours dans sa parole. If we always remain in his word. Et dans ses commandements. And in his commandments. Nous serons vraiment ses disciples. We will really be his disciples. J'ai vu ça mon inga. Tell your friend that we will be the disciples of God. We will be the disciples of God until the end. Amen. 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 We shall hold on to the word. Let's hold on in the word. Let's hold on to Jesus Christ. Because in God's Christ, victory is there. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus Christ. Be blessed in the name of Jesus Christ. Je l'oublie quitter. Yahweh, fongola, lola, babeli, babikaye.